communiquer bon, à toutes les agents qui sont sur place, déposez vos armes là, sinon ils explosent. Les... Bon, déposé. Devant la banque là? Ah ok, non. Devant la banque. Bon ben ramenez tous vos armes là, on met nos armes devant la banque. J'ai même vu Batman, ils veulent quoi d'autre, mon 12 pouces là? Demande-leur. Tu sais qu'on n'a pas le droit de faire ça, 40 de donner nos armes. Ah ouais, je sais, mais non, là c'est plate, là. Tu peux venir. Tout le monde est en train de danser, là, tout le monde est en train de faire du yoga, là, les policiers veulent pas. T'as qu'à l'argent, là, il veut pas. Parce que là, c'est plate, c'est braqueur, c'est n'importe quoi. Inquiète-toi pas avec ça, on va régler ça assez vite. Kokobé, c'est toi qui avais l'air? J'ai quand même les airs du véhicule. Personne parle, faites vos affaires. 39, c'est toi qui as mis l'air? Personne parle, faites vos affaires. Ok, bien. Il y a un 2 et 40 au-dessus de l'otage au final. Ouais, ouais, on a un otage pour deux là. User joined your channel. Me le dirai, mec, ça.
Bon, ça finit bientôt leur braquage quand même. Ouais, c'est long, longtemps leur affaire là. Ok, à tous les otages, ces braqueurs-là, là, ils ne laissent aucune chance. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont des bombes. Ils vont rouler. Oh, monsieur, on leur crée son site chacun, c'est fini. Non, moi j'ai dit qu'on n'aura pas de coup de feu là, parce que sinon ils butent l'otage. Hein. Pas de coup de feu, pas de air, pas d'hélico. Ils vont partir vers le salon de tatouage. Vers le salon de tatouage, là, au fond, là, il y a une rue là qui se croise vers la gauche, la droite. Ils veulent pas que personne les poursuive jusqu'à la rue de tatouage là. Ouais, mais techniquement, ils sont deux dans le parce que c'est un deux portes. Ah oui, ils sont deux, ils sont deux. Ben c'est ça, si on les a pas les deux en même temps, ils ont pas bon, ben je te garantis tout de suite qu'ils vont partir sur votre bord. Fait que l'explorer là, qui est du côté en face de la banque, tu vas te mettre un peu plus loin et open atom. Si vous voulez, là, honnêtement, là, si vous voulez. Vous... Ah, mais attends, qui a mis un nerf là devant, là? Devant le véhicule. Pose pas de questions. Et ils vont buter l'otage, là. Pose pas de questions si tu veux pas de mentir, de toute façon, ils vont faire comme d'habitude, ils ont menti, fait que nous autres, ça, on peut mentir. Parce qu'ils dropperont pas l'otage au sol, au. Voyons, chose de tatou, puis ils te le laisseront pas, ils vont juste crisser le camp. Non, écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Si ils voient que leur véhicule est endommagé, là, ou bien s'ils voient que quelqu'un est dessus jusqu'à la fin du truc de tatou, là, ils butent l'otage avec l'explosif, là. C'est parce que de toute façon, mais qu'ils s'en allent, si tu désamorces pas l'otage, ils vont le tuer pareil. C'est ce qu'ils ont dit. Tu comprends pas, en fait, je pense. Regarde ce que je t'explique. Là, ils ont un bouton, là, ok? Le temps que moi, je rentre dans la banque, que je désamorce les deux otages, ils prennent le but de me tuer, moi, et les deux otages, là. Mais leur bouton, là, on leur fout le cul, là. On s'en bat les couilles. Non, mais c'est comme chez lui, qui rentre au pire, on attend qu'ils sortent. Aussitôt qu'ils arrivent dans leur véhicule, on les abat les deux. Parfait, on fait ça. Tant qu'à jouer, on fait ça. Quand ils embarquent les deux, là, vous voyez bien hein, que les deux embarquent, là, une tête chacun. Mais il faut des bons tireurs, là, qui se préparent. Non, on fait pas une tête chacun, faut faire nos tirs de sommation. Fait que bloquer juste la rue avec l'explorer au niveau du Open Atom au bout de la rue, là. Ils sont supposés s'en venir sur mon bord. S'ils comptent une menterie, l'explorer, t'es rame sur ton bord. Moi, je suis en position pour ramer sur l'autre sens. Je suis allé au truc. Je suis à peu près sûr et certain qu'ils vont partir vers la ville. Tu l'as dit juste qu'ils peuvent sortir, regarde, ça sert à rien, là. On peut pas rien faire, bon, ils vont sortir là, ils vont sortir avec l'otage, ils vont me braquer jusque le temps qu'ils rentrent dans le véhicule, après ils vont me laisser l'otage. C'est bon. Faut nous dire de quel bord ils partent. Hein. Tu sais, s'ils passent de mon côté, 39, je leur ramène là ou. S'il part de ton bord, oui. Mais là, le problème, ils vont voir l'air, là, et ils vont tout exploser. Tu leur dis qu'il n'y a jamais là. Il va faire une marche arrière là parce qu'il y a un air devant qu'on ne peut pas enlever là. C'est eux qui sont dans le véhicule? Ok, direction tatouage. Je viens des ramer en plus là, puis il continue comme si de rien n'était. Quand je peux tirer, hein.
directement à l'hippodrome, histoire de l'hippodrome. Dépend, je peux tirer. Régression de tirer sur les pneus. Fais ce que t'as à faire. Je peux tirer. Ah, t'es... Deux policiers à terre, j'ai besoin de backup ici, ça presse. Ok. Monsieur, on va vous déposer ici. Il y a deux fait. Agents à terre là. Revenez plus tard là, il y a deux agents à terre, ils sont seuls. Ouais. On revenez après, je vous jure, on sera là. Good job, 39. Hein. Heureusement que j'ai enlevé les gilets explosifs. Hein. Déçu à la tête, pardon. Les ambulanciers ont été abusés. On leur met tous les amendes et tout le temps en prison. S'il vous plaît, éteignez vos sirènes, s'il vous plaît. Que leur scène de merde, là, ils le refont plus. Là. Et... Éteignez les sirènes, s'il vous plaît. Ils sont éteints, hein? J'entends rien. Non, moi je les entends. Non, c'est ok. Ah, c'est pas notre véhicule, ça. C'est, ça arrive souvent, des trucs comme ça. Bon, mon véhicule, il a même pas de gyrophare, là. Parfait, bien joué, 39. Là. C'est qui a tiré en premier, là, c'est eux? Moi, j'ai essayé de leur tirer d'un pneu quand ils a commencé à faire du ouais. Je me promène dans le gazon, puis je saute en bas d'un viaduc avec un GTR. Ouais. Puis après ça, ben quand j'ai vu qu'ils s'en foutaient comme l'an 40, ben j'ai les ai poursuivis avec le en arrière du Explorer que là, rendu ici, ils ont tiré policiers. À partir du moment où ils ont tiré policiers, j'ai sorti mon M4 puis je les ai droppés. Ok, parfait, good job. Bon, Bertur, ils vont prendre là, les 3 ans là. C'est sûr. Inquiète-toi pas, j'ai demandé à des petits oiseaux. De me surveiller par le satellite, fait que s'il y a des choses qui sont pas correctes, ben. Parfait, mais ils vont prendre la 3 ans, là, c'est sûr. La meurtre plus braquage de banque, plus prise d'otage, c'est 3 ans. Tu peux-tu checker avec l'ordinateur combien qu'il y a de. Ben, ouais. Va sur la radio, puis check combien qu'il y a de MS ouais. En ville. Ouais. Il y en a 3 là.
Il y en a trois live? Ouais, live. Il y en a un qui vient là, j'entends qu'il vient. Je sais pas si t'entends les sirènes. Ok, c'est bon. Là, on va s'occuper de faire enlever les deux policiers et les faire envoyer à l'hôpital au plus Chris. Exactement, et on va demander à l'ambulance de ramener une deuxième ambulancière pour les deux autres. Ouais. Les ambulances arrivent. Essaye de toffer, Big. Essaye de toffer, Big. Elle arrive, l'ambulance. Elle arrive. Elle arrive aussi. Si, je vais essayer de t'appliquer un bandage. Elle arrive full pin. Ouais, ben là, ils ont pris des balles, là, faudrait que tu sauves les deux policiers, là. Ils les ramènent à l'hôpital le plus rapidement possible. Ils sont en train de perdre beaucoup de temps. Salut, monsieur. Oui, vous allez vous occuper des deux policiers, ils ont été atteints par balles. Tout le monde ici a été atteint par balles. Ah, 10-4, je voudrais juste m'assurer, il n'y a pas de danger nulle part, là. Non, de toute façon, on est armé, monsieur, fait que s'il y a de quoi... Ah, très bien. Attendez, là, je vais essayer de stopper l'hémorragie. Ouais, hyper profond, on va ramener le plus rapidement possible à l'hôpital. Oui. Ah, écoutez, je vais vous amener là. Je vais faire ici là, je vais rentrer dans le véhicule. Ça va être ok. Avez-vous un autre ambulancier en service? Parce que là, il va falloir s'occuper des deux suspects là. Ah, disquette, attendez. Monsieur le policier là, ramenez-le ici, monsieur l'agent. Ouais, monsieur le MS. Dans l'autre camp. Le problème, c'est de mettre les deux policiers dans la même ambulance. Ça, ce camion là, on prend pour les. Ouais, c'est ça, on va mettre les deux policiers dans la même ambulance. Mettre bon. les deux officiers. Faut le porter, ouais. Faut le porter, le policier. On le porte. On y va. Let's go, amenez-le à l'autre ambulance. Ouais. Attendez, il ne veut pas. Je pense qu'il est déjà. Ok, c'est ça. Je pensais qu'il était. C'est parti, on y va. Aïe. Bon, commencez par le monsieur là-bas, s'il vous plaît, madame. Là. Le monsieur là-bas où? Ouais, c'est lui qui est ça. C'est lui qui est à vos pieds. Là. Faites attention, je vais juste faire de quoi vite, là. Bon, amenez-le à l'hôpital avant qu'il se vide de son sang, là. Mets-le dans l'ambulance, tout de suite. Non. Ouais, ben c'est ça, là. Il faut justement embarquer dans cette ambulance-là, là, pour des raisons avec. Je ne sais plus trop qui, mais. Ouais, il faut que ça prenne un petit peu. Je vais réanimer, vous en occupez. Ouais, ben on va l'emmener à l'ambulance, il n'y aura pas le choix de rentrer par lui-même. Ah, 10-4. On va le transporter plutôt à l'ambulance. Parce qu'il faut l'emmener à l'hôpital le plus vite possible avant qu'il perde son sang. Ouais. L'autre, il est où, l'autre? L'autre est dans l'ambulance déjà. Aïe. Parfait, monsieur, considérez-vous comme menotté, là. Je vous demandez d'embarquer à l'arrière. Mes jambes. Je file pas bien. On va le pogner, là. Bon, moi, je pogne son bras. 1, 2, 3, go, on lève. J'arrive pas à me lever. Je suis pas capable. Bon, on va le porter, là, gars. Je vais le porter. 1, 2, 3, je le porte. J'arrive pas à me lever à ta minute là. Tabarnak. Ok. Oh! What the fuck? Ok, ça va marcher. Ça va bien, monsieur Blart? Je suis en train de te transporter. Ça va bien, monsieur Blart? Yes, rentre dans l'ambulance, s'il te plaît. Ouais, attends, mes muscles là, ils ont de la misère. T'es pas échoué parce que moi on me dérange pas mais tu perds beaucoup de sang. Ouais, mais t'es... Ouais, mais c'est ça, c'est mon muscle là, je peux juste pas me lever, tu comprends? Aïe, ok.
Rentre dans l'ambulance. 75, je vais aller récupérer mon lèvre de service. Ton bus pour embarquer dans le véhicule là, hein. Ouais, mais ça marche pas, je peux même pas bouger. Ah, mon... bouge pas. Tiens, vas-y donc, essaye de rentrer. Ah, ok, ouais, là ça va marcher. Attends, non, mais pas débarré. Ah, embarque en avant. Non, ouais, au pire, embarque en avant, au pire, là, je vais, okay. Je vais t'attacher en avant, là. Moi j'ai de m'attacher, je m'escorterai pas. Ouais, je non, mais je suis obligé de te mettre tes menottes pareilles là. Ouais, les menottes t'es là. Oups, c'est le chauffeur, j'ai pogné. Ouais, sortez donc le chauffeur. Oh, attends, non, j'ai pas. Attends, attends. Vas-y, en bas. Vas-y, c'est bon, ouais. Ok, toutes les policiers à l'hôpital. Ça sent pas long, vous êtes menotté là, je vais demander à votre. Oh, y'a pas de problème, madame, à monsieur Black, qui collègue. Je sors du véhicule. Parfait, je vous confie là, comme tu es juste à l'entrée de l'hôpital. Écoutez, monsieur, j'aurais besoin de quelqu'un justement qui pourrait le démenoter là. Ouais, pas de problème. Putain, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, boys? Parfait, suis-moi. C'est quoi qui s'est passé? Oh. Vous êtes trop proche? T'es-tu capable comment? De descendre ou. Je vais essayer. Non, je suis pas capable. Ok, bouge pas, on va faire de quoi là? Ça a-tu marché? Non? Non, t'as oui. Sorti le monsieur en arrière. Ah bon. Hey, c'est quoi qui s'est passé? Moi, par contre, je pense que je peux pas enlever mon casque parce que c'est un. C'est un voyons comment on dit ça. Je te transporte dans mes mains. C'est un full suit. Ouais. C'est quoi qui s'est passé? Là, monsieur, pour le moment, vous avez pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. L'important, c'est de vous soigner au plus vite. Ok, c'est bon. J'espère que ma double personnalité a pris le contrôle, là. Tabarouette. Là, je l'emmène où? Je l'emmène dans la deuxième salle? Ouais, dans la deuxième salle, pas en attendant. Elle me fait pas faire des affaires correctes, là. Tabarouette. Je suis habillé de même, mais c'est-tu? Bon, monsieur, embarquez sur la table, s'il vous plaît. Oui. Oui. Bon, bougez pas. Je vais essayer de vous enlever votre masque. Non, il s'enlève pas, comme je te dis. Ça fait. Gatchek, ça fait ça. Si je, me... je peux pas enlever mon masque. Ben, c'est un chapeau, casque, monsieur. Faut que vous vous éclairez. Ah, oh, c'est un chapeau. Sur... Oui, oh, excuse-moi. Voilà. Bon, là, à partir de là, vous êtes sur la table. Fait qu'on palpe. Salut 39. Ouais, là, on va emmener monsieur sur une civière. Je vais l'emmener dans mes bras. T'as-tu une civière en salle, là, l'autre bord? J'ai une balle. Attendez. Juste ici, là. Parfait. Fait que monsieur, je vais vous mettre ça à la civière. 1, 2, 3, et hop. Embarquez sa civière, s'il vous plaît. Je vous menote à la civière. Je vais vous aider à enlever votre masque. T'es en train de tirer sa ganse. Allez-y, 1, 2, 3, hop. Donc là, monsieur, vous pouvez pas bouger d'être là, vous êtes menotté.
monsieur, je vais vous noter sa civière. Tu peux t'appeler quelqu'un, j'ai besoin d'une transette, j'ai besoin de sang. C'est pas long, vide. Monsieur, là, ils sont en train d'opérer l'autre bord, là. Je veux bien, je me vide, je me vide, là. Je veux pas mourir, tu comprends? Madame, c'est-tu vous qui allez faire des opérations? Madame? Tantôt, je parle, elle répond pas. On vous entend pas avec vos cordes vocales, madame? Oui. Oui, parce que le monsieur l'autre bord, là, il perd beaucoup de sang, là, puis il se sent vraiment pas bien. Là. Ok, je vais faire comme le policier, je m'en occupe après. Donc, le petit nouveau, il sait pas où sont les civières, va le rechercher. Tu voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé? La guerre du Vietnam, ça? Non, ben. Lui puis l'autre monsieur qui est dans la salle d'attente là-bas là, sur une civière, ils ont braqué une banque avec deux otages. Puis là on a une courte poursuite qui s'est ensuivie. Madame, vite, je vais mourir. Puis là ben il y avait une GTR, ils ont sauté par-dessus un remblai, puis ils ont roulé comme sur le bord d'une rivière. À partir de là, ben, j'ai pas eu le choix, j'ai ouvert le feu avec mon M4 sur le char. Ils ont jamais arrêté. Là, une course poursuite a continué après ça. Ils ont passé par le centre équestre. Ok, ouais. Puis après ça, ben là, quand je suis arrivé en arrière de l'Explorer où ce que les deux policiers étaient, ben les suspects ont sorti du char puis ils ont commencé à tirer police. Moi, j'ai sorti mon M4. Non, mais non, ça te réveille. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est la civière, on a un officier là. Tu en as deux officiers. T'as deux policiers qui ont été atteints par balle. Puis moi, quand j'ai vu qu'ils ont tiré des policiers, ben lui puis l'autre, ben je leur ai crissé une tête puis je les ai descendus tous les deux. Ben, au moins, nos deux policiers sont en vie. Puis ouais, ben, j'ai appelé EMS. Ok. J'ai appelé EMS tout de suite. Ben, lui. Ouais, lui, il est en train de se vider solide, mais là, le problème, okay, c'est qu'il y a un infirmier pour quatre personnes, tu sais. Ça va pas. Ouais, elle fait ce qu'elle peut, elle. Elle fait son possible, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, quand j'ai fouillé d'un sac pour avoir le pièce d'identité. Le monsieur avec le casque là, ça serait monsieur Timothée. Ok, c'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Puis l'autre, ben là, faudrait que je check quand j'ai pris la photo avec mon appareil photo là, de sa pièce d'identité, là, de mon 30 secondes. Donc, pour l'instant, je vous mets la perfusion. Je vais pas trop de chercher, donc je vous mets le groupe universel. Voilà. Pour que vous sentez un peu mieux, je vais vous mettre une anesthésie générale pour que vous puissiez moins souffrir. Ah, c'est Joe quelque chose, je me rappelle pas exactement. Là, c'est qui était sur le braquage? J'avais toi, puis il y avait Il y avait moi, les deux policiers qu'il y a là, puis 40. 40, ok. Ah, puis non, 40, c'est vrai, il y avait un autre. Il y avait un autre aussi habillé tout en veston cravate, là, je sais pas c'était qui. Donc, je vous mets l'anesthésie. Ils vont faire leur rapport, là, ça. Ouais. Okay. Là, lui son sac était pas mal vide, c'est l'autre qui est dans la salle là-bas qui a pas mal d'argent dans son sac. Pas mal d'argent dans son sac, là, fait que je pense que c'est peut-être les recettes du braquage, là. Fait que on va falloir y saisir ça, pour mettre ça pour examen, ouais. Oh mon Dieu Seigneur, monsieur, est-ce que vous avez besoin d'un opérationneur? Boris. Ah non! Apparemment que lui, il fumerait un joint pendant qu'elle soigne. Ok. Vous êtes qui vous, monsieur? C'est un ami à moi. Ok. Je vais faire trop de sang. Hey, moi, je vais te rentrer dans la salle d'opération. Yes. Il est au Fortin quand on a besoin, Estier. Ah ouais, rentre là, Estier, il va t'opérer, moi. Je ausquitte la plaie, je resserre le trou. Vous, MS, vous devez.
Non, monsieur, moi je travaille chez Valentine. C'est quoi les pantalons? Vous trouvez ça drôle, monsieur?